Alors, est-ce que ça a marché? Voilà. Et normalement, on est en live. Salut à tous, à toutes, et bienvenue pour cette 37e, 36e partie ou 37e, je sais plus. Est-ce que j'ai marqué quoi quand même? Je crois que j'ai marqué 37e partie. Je crois que je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Donc bienvenue dans cette nouvelle partie de ce Let's Play de FF7 Remake. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous aimez. On est au début du 17e chapitre, donc on est à l'avant-dernier chapitre. Donc on finira pas, peut-être pas le jeu ce soir, mais peut-être demain ou après-demain. Enfin, d'ici 2 ou 3 jours, on aura fini ce jeu. Et du coup, j'espère que ça vous plaît. Donc on est parti pour une heure de live. Donc n'hésitez pas, installez-vous, faites-vous plaisir, sortez du café si vous voulez, blablatez, posez des questions, je serai là pour vous répondre. Allez, c'est parti. Ok, mais du coup, qu'est-ce qui nous force à regarder? Ah, c'est là que vous étiez. Mais qu'est-ce que vous fabriquiez? On se faisait un sacré souci. Wedge, t'étais là? Ça va? Est-ce que tu tiens le coup? Elmira et ses petits plats m'ont vite remis sur pied. Tu m'étonnes. C'est vraiment pas le moment de bavasser. Bientôt on va... Qu'est-ce qui se passe? Une bombe? Secoue ses températures anormales. La branche principale passe à l'attaque. Ils vont semer la pagaille et attaquer le président. Ça complique les choses. L'explosion a déclenché la procédure de confinement. Évacuation immédiate des employés, je répète. On est enfermé alors? Début du confinement. Gardez votre calme, jeune fille. Regardez, vous pouvez encore vous déplacer dans les laboratoires. Vous pouvez aller sur le toit? Un hélico d'avalanche vous y attendra. Quoi? Un hélico du QG? Après ce qu'on a fait, ils voudront pas nous aider! Je leur ai demandé gentiment. Je les ai même suppliés. Merci. Bon allez les gars, à plus tard. Il est pas quoi récemment en dessous. On lui avait rien demandé. Oui, mais il nous a sauvés. Hein? Enfin, il perd rien pour attendre. Allez, c'est parti. Attends, mais du coup, est-ce qu'on peut choisir notre équipe? On peut pas choisir l'équipe? Ah, oh, c'est nul, ça. Ça, par contre, ça je trouve que ça, c'est nul, parce qu'ils nous mettent les personnages. Ils nous prédéfinissent les personnages. Alors, j'aurais aimé peut-être me garder Barrett, ou même avoir Barrett dans mon équipe avec Tifa et Aerith, ça aurait été plutôt pas mal, je trouve. Ça a été un bon complément. On va plus galérer. En gros, faut qu'on essaie d'aller vers le toit, quoi. On peut utiliser l'ascenseur par le seul autre, c'est parti. Ah, attends. Je suis comment en vie? Bon, ça va. Tout ça, de ce côté-là va bien. On va pas attaquer, d'accord. Du coup, il faut monter sur le toit. Ah, si je crois que c'était l'ennemi. Vous êtes sûr que c'était par là, l'ascenseur? Certain. L'odeur de Ocho flotte encore par ici. Bon, du coup, la coupure, ça fait que j'ai perdu tous les viewers. J'ai perdu tout le monde. On a été à 6 tout à l'heure. Les ouais, m'obliger. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est
C'est vraiment bizarre. Tous les incubateurs sont vides. Ça sent mauvais, ça. Ça sent pas bon. C'est par là. Bah, comment on fait? Ça me combat. Super. On occupe que ça. Ils ont pas l'air de bonne humeur. Ça tombe bien, moi non plus. On va leur faire voir. Merde, je tombe tous. Mais ça m'a fait du mal à analyser. Je prends les devants. C'est misé à la poule. C'est un commentaire plus loin alors. Je les attaque par derrière, ça me casse mal terme leur assaut. D'accord. Content, c'est fini. Allez, ensemble. Ok, c'est parti. C'est pas fini. C'est canon. On sort, méga soin sur période. Ça, glace. Je vais faire trembler. Et voilà. Top là. Ça me fait rappeler quand même la vidéo du JDG sur Papy Grenier sur FF7. Allez, il faut aller chercher le chien qui parle. Je veux dire, ça me fait trop pas ça. Bon, du coup, on était là. Salut à la deuxième personne. Je sais pas qui tu es, donc Amio, Dark Cloud ou même Lolo directement. Mais n'hésite pas à parler, n'hésite pas à poser des questions. Je suis là pour répondre. Laboratoire de Ocho, zone interdite. On est où, là? Le terrain de jeu de Ocho. C'est le secret de la Shinra. Dommage qu'on n'ait pas le temps de tout défoncer. Faut vite qu'on aille sur le toit. Dommage qu'on puisse pas voir. Ah. Vache, c'est joli. En tout cas, c'est immense, mais c'est joli. Mère, reprenons cette planète ensemble. Et tout le reste. Je déteste ça. Et ça, je me dis, c'est pas passé 5 ans auparavant, ça. Cloud? Les événements de Crisis Core. Savoir si c'est toi.
cette retrouvaille. C'est la voix de Johnny Depp, ça y est. Doubleur officiel de... Un tiré de doubleur officiel de Johnny Depp. C'est prodigieux. Je le savais, ma théorie était correcte. Pour la suite, j'espère que tu ne me décevras pas. Salut Mylène, 04, comment tu vas? Et salut à la troisième personne qui est arrivée sur le chat. D'accord, on a perdu Iris et tu vas. Faut que je les retrouve. Bah écoute, moi ça va tranquille, on regarde en avance, on est reparti pour à peu près une heure de jeu pour ce soir. Donc on avance tranquillement, mais on se rapproche tout doucement de la fin de ce jeu, ça y est, on n'est plus très loin, on est à un chapitre de la fin, on est au 17e chapitre, il y en a 18, donc on l'a quasiment terminé. Ce sont des incubateurs, ils ont l'air solides. Alors, ça me fait poser des questions, mais voilà, je pense que mes questions, j'aurais pu trouver les réponses à mes questions dans un autre jeu. Malheureusement, je ne sais pas s'il est disponible sur la PS4 via le PSN. Il faudrait que j'aille voir ça tout à l'heure. Je ne connais pas celui-là non plus, mais il me donne bien envie. Et il te donne plus envie celui-là que FF14 ou pas? Alors, tac, tac, tac. Faut pas que je me relâche. C'est fini pour toi. Oui, large. Attends. Je dis après 30 secondes. C'est quoi? Ah oui, large, le 14, je n'aime pas trop le style. Ah oui, non, mais alors, le 14, comme je le dis, faut pas le prendre en compte comme un jeu de la base des FF. C'est FF14 est un MMORPG, donc il est plus adapté dans le style de MMO que d'un jeu RPG à la base de FF7. Après, si tu ne connais pas FF7, comme je te l'ai dit la dernière fois, bienvenue sur le live. Donc c'est le remake d'un jeu originel qui était sorti en 96, si je me rappelle bien, donc sur PS1. Tu peux retrouver donc le remake ou le Mastered de cette version de FF7 sur le PSN. Donc ce sera bien sûr la version Redon Camillo. Donc comme je disais Mylène, donc tu peux avoir la version si tu veux remasterait de la version PS1 qui était sortie en 96, je crois qu'elle est sur le PSN. Alors je ne sais pas sur quelle console tu joues habituellement, ou quelle vous jouez, parce que vous êtes deux, vous jouez habituellement. Histoire d'amour dedans, moi j'adore quand il y a des histoires romantiques. Alors je ne peux pas te dire, techniquement je ne sais pas, puisque pour revenir sur la particularité de ce jeu, en fait il est PS4 et PC, d'accord. Ce jeu, en fait, donc le jeu qu'on voit là, n'est pas complet. Alors pourquoi il n'est pas complet? Parce qu'il ne regroupe que la première partie de l'histoire qui se passe à Midgar. Sur la version originelle, l'histoire de Midgar dure à peu près 10 heures. Grosso modo, je me trompe peut-être, mais je ne suis pas un aficionados de FF7. Je n'ai jamais joué FF7, c'est très dur à dire, mais je n'ai jamais fini, donc je ne sais pas combien de temps dure la phase Midgar, donc celle qu'on est en train de faire là. Mais sachant que dans cette version-là, donc de Final Fantasy 7, voilà, je vais dire comme ça, remake, on n'a que la première phase du jeu, on n'a que la première partie du jeu, c'est le premier épisode. Et il dure plus de 30 heures. Donc question amour, je ne sais pas. Je pense que oui. Mais je sais qu'il va y avoir une séquence qui va avoir lieu, je ne sais pas à quel moment, qui va être tragique, qui a fait pleurer plusieurs joueurs pendant plusieurs décennies. Mais je ne peux pas dire. Voilà. Besoin d'aide. Volontiers.
Ah, Red, ça y est, il rejoint l'équipe. Donc du coup, vu que tu n'étais pas là, Mylène, on a récupéré donc une personnage qui s'appelle Iris qu'on a sauvé. Et en même temps, on a fait la connaissance d'un nouveau personnage qui s'appelle Red 13. C'est une expérience en fait de la Shinra. Voilà, tout simplement. On m'a dit qu'on bat à vos côtés, mais vous ne pouvez pas le contrôler. Ah, dommage. Il va aimer son équipement ne pouvant pas être changé. Ce personnage n'apparaît pas dans le... Ah, c'est nul. Oui, sûr. Sûr que je pleure alors qu'on prend de rire, je suis trop émo. Mais la séquence que je parle, tu peux la trouver sur internet. Elle est très facile à trouver, je pense. Et je pense que tout le monde, en tant que joueur, moi je pense que je vais verser ma petite larme quand je verrai cette séquence. Mais je pense que toutes les personnes qui ont joué à cette séquence-là, qui ont joué à l'original, savent de quelle séquence je veux parler. Je ne le dirai pas là parce que je ne spoil pas du tout le jeu. Et je ne sais pas du tout si cette séquence y est. Sera dans cet épisode là ou sera dans le prochain épisode qui sortira pas avant 2025 d'après ce que j'ai compris. Donc voilà. Donc je ne sais pas. Je vogue à l'inconnu. C'est bien mandat. Ah non mais moi je suis pas pour le spoil. Alors, des fois je m'auto-spoil parce que je regarde des vidéos quoi, voilà. Mais c'est mon droit moi. Je n'ai pas envie de spoiler les gens qui ne connaissent pas le jeu. Voilà. C'est fini pour toi. Ça va? Oui. Où sont les autres? Pas par ici, on dirait. Cherchons-les. Parce que même si vous n'êtes pas nombreux à nous suivre en live, et bon, voilà, c'est comme ça. Bon, maintenant vous êtes de plus en plus nombreux, et je vous jure que ça fait extrêmement plaisir de voir quand même qu'il y a des gens qui aiment bien nous venir nous voir, nous jeunes, nous petits streamers. Mais je ne suis pas des partisans de des gens qui vont spoiler. Alors hier par exemple je suivais une streameuse qui joue à FF10. Je voulais lui poser une question mais dans ma tête je me suis dit attends, je sais pas où est-ce qu'elle en est dans l'histoire, peut-être que ça va spoiler, ça va pas spoiler. Je ne pose pas la question, franchement attends, qu'est-ce qu'il y a, je verrai bien. Ben ouais, donc je suis pas du tout partisan des personnes qui spoilent comme ça. Red 13 peut se déplacer en sautant sur les endroits des murs où apparaît l'icône. Ouais. Lorsque vous apercevez un dispositif d'activation, un incubateur à distance, appuyez sur triangle pour demander à Red 13 d'y aller. Ce levier, il n'est pas du bon côté. Je devrais pouvoir l'atteindre. D'accord. T'es sûr? C'est vrai qu'on peut pas le contrôler. Oui. Allez, pousse tes pattes. Ça ira comme ça. Alors, attends, là, il y a un truc déjà pour... Je le demande qu'il gargouille. Suis-je normal, docteur? Une heure du matin, je le demande qu'il gargouille. Méga potion, on prend 3. On va prendre des potions. On prend 1. On va essayer d'en prendre 2. 2, je pense que ça devrait aller. 2 super potions. 2 méga potions. Par contre, ah, je peux prendre qu'un seul éther. Là, je peux en prendre 2. Voilà. Après là je fais pas des économies maintenant, ça y est, c'est fini. J'essaie vraiment de taper sur tout ce que je peux avoir. Le barillet, c'est la numéro 1. Mais bordel, pourquoi ils fabriquent que des trucs dégueulasses? Ça c'est barrette. T'as pas intérêt à t'approcher? C'est tout ce que tu sais faire. Animal. Oh non, je m'éclate! Je vais les exterminer! Ah non! Ah non, pas eu. Ah, attends.
Ok. Esquive ça. Sors, fou. Ah, il est misère. Ah oui, d'accord, ouais, c'est vrai. Mais ouais, je peux faire ça. Foudre. Ça va piquer. Ah, attends, on va essayer. On va voir le soldat. Ah. Bon, ça sert à rien. Sort, foudre. Voilà. Coup de tonnerre. Je serai sans pitié. Allez, fragile. On peut l'avoir. C'est bon. Allez, c'est bon, je les ai facilement. Mais ça non. Bordel, c'est une usine à monstres ou quoi? Ah, c'est quoi ça? Ah, attends, compétence. Analyser l'aspirateur. Ça va se calmer. Faiblesse foudre et vent. Une fois assez chargé d'électricité, il lance une attaque spéciale très puissante. C'est également à ce moment où il est possible de faire augmenter la charge. Ah, cool. Super. Quoi? C'est tout. Aïe 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 aïe, il me fait mal en plus. Oh, on m'a soigné. Alors, on va faire un petit soin pour moi. Une petite attaque foudre. Ça va sonner. Te précipite pas. Sort. Méga foudre. Allez. Compétence. Fin infini. Allez. Ouh, ça c'est maintenant. Tu joues au 15 aussi. Ah, je l'ai. Tu peux t'en charger. Laisse-moi faire. Il est prévu. Mais ce sera pas tout de suite. Et puis je compte faire les jeux dans l'ordre parce qu'en fait je t'explique, j'ai tous les FF que j'aimerais faire, y compris les anciens déjà très très vieux, c'est-à-dire le 7, 8, 9 des anciennes générations. Mais sinon je les ai tous et oui ce sera prévu. Quand? Je ne sais pas. Mais voilà, ça sera prévu dans quelques temps. Mais ce sera pas. Dis-toi bien que ce sera pas dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Peut-être courant de l'année, je ne sais pas. On mais. Tifa et Aeris. Voilà. Après, on se casse. Je vais pas m'avancer sur une date. On a perdu du temps, mais ça change que dalle en fait. Hop, en route. Du coup, on va faire quoi? Je vais essayer d'économiser les. Les éthers. Les soins, la magie, j'ai surtout économisé la magie parce que non mais après je pense faire un truc un C4 sur le groupe
qu'on gère avec donc notre ami Lolo. Donc allez-y, n'hésitez pas, c'est vraiment du live, je crois que je ne trompe pas le nom. Il va me tuer, je vois. Ou quand j'aurai fini les sagas que j'ai entamées il y a quelques temps, je vais proposer un sondage où je vais proposer quelques sagas de jeu et ça sera à vous de décider quelle saga de jeu vous aimeriez voir. Sachant que je préciserai bien sûr la plateforme sur laquelle ça sera streamé. Ça peut être sur du YouTube ou sur Twitch. Mais voilà, j'ai envie de vous faire participer un petit peu et que ce soit vous qui décidiez un petit peu sur quoi vous aimeriez me voir jouer. Voilà. Après, si, comme je dis, si vous avez des jeux dans lesquels vous aimeriez me voir streamer, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire sur les lives, hein, on est preneur après. D'ailleurs, on fait ça pour nous, mais parce que ça nous fait plaisir, hein, mais on aimerait aussi essayer de vous faire plaisir avec des jeux que vous aimeriez voir en stream. Il a verrouillé la porte. Faut continuer d'avancer. Mais ce sera pas pour tout de suite, parce que là, mon planning est déjà assez chargé en termes de jeu, puisque je fais quand même préférence aux jeux qui vont sortir récemment. Et donc du coup, il y a un jeu que j'attendais avec un petit peu avec impatience, qui a été retardé à cause du virus, mais dont une nouvelle date de sortie a été dite. Et voilà, donc du coup c'est un jeu qui se passe en deux parties, donc c'est le second opus hein, qui sort, donc c'est The Last of Us. C'est pas moi qui pourrais faire donc ça. Il y a The Last of Us partie 2 qui va sortir, et du coup c'est vrai qu'avant qu'il sorte j'aimerais me faire le premier. Voilà. Mais ça, j'expliquerai ça plus tard. Enfin, j'expliquerai dans les prochains lives aussi. Hein. Pourquoi pas. Hein? C'était bien. Qu'est-ce que tu dis? Il y a quelque chose là-bas. Bébé. Ah là. Ah zut. Pardon. Allô, Cloud ? Tu m'entends ? C'est un téléphone. Oui. Vous allez bien ? Oui, ça va. C'est qui à peine maison ? On est toujours séparés. Cette pièce est un cul-de-sac. Est-ce que vous m'entendez ? Ojo. Bienvenue. Vous êtes dans mon plus grand labo, le barillet. Qu'est-ce que ça fait de se tenir à l'épicentre du progrès ? Rendez-vous compte de la chance que vous avez. Et en prime, vous allez même pouvoir m'aider à vérifier une de mes conjectures les plus audacieuses. Quoi ? Dès que je serai prêt, j'ouvrirai la porte du laboratoire numéro 3. Ah non, en fait, puisque vous êtes là. Autant que vous vous occupiez des préparations vous-même. Je compte sur vous pour me fournir des données inédites. D'accord, lui, c'est un fou. Et puis quoi encore? Il croit qu'on bosse pour lui, cet enfoiré? On est vraiment obligé d'écouter. Je pense que oui. Il ne relâche jamais personne avant de récupérer les données qui l'intéressent. Il parlait bien du laboratoire numéro 3. Il me semble que je l'ai vu à l'étage tout à l'heure. Attends. On peut changer d'équipe ? On ne pourra pas vous aider. Faites attention. Ah ! Merci, ça ira. Nous, on reste ici. S'il se passe quoi que ce soit, vous nous appelez, ok ? Ah ! Compris. Je m'y attendais pas. D'accord. Ah, ok. Et si je rappuie là ? Non. Non, mais je m'attendais pas. Du coup, on va contrôler les demoiselles. Dis, tu t'inquiètes pas pour Cloud? Ces derniers temps, il n'est pas lui-même. C'est vrai, mais je sais qu'il est solide.
Et toi, Tifa, tu tiens le coup? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça fait 3 jours qu'elle n'a pas dormi. Mais tout va bien. On tient le coup, on voit des hallucinations, mais super. Mec, en 3 jours, ils ont vécu tout à fait du monde, quoi. Bon, ça doit être le laboratoire numéro 3. On dirait, mais la porte est fermée. Eh, c'est la bugue. Peut-être qu'on peut l'ouvrir d'ici. Cherchons comment faire. D'accord. Ah, attends, est-ce que j'ai des sous? Je sais plus. Bon, ça sert à rien. C'est bon, attends, ce qu'il y a à acheter. Obligé. Ouais, non, mais là, si j'en prends 3. 300 gilles, c'est ça? On fait 900. Ouais, 500, c'est bon. Je peux en prendre les deux éthers qui sont là. Attends. Du coup, on va s'asseoir là. Voilà, bon, on a pas mal de vie. On a une soignante. Et ça, ok. Il faut le dire à Cloud. Donc on revient au téléphone. Cloud, tu m'entends? On a trouvé la porte du laboratoire numéro 3, mais on peut pas l'ouvrir. Ah bon? Tiens, j'y pense. Les préparations dont parlait Ojo, elles ont peut-être à voir avec ce truc? Le terminal central. On a touché à un levier tout à l'heure. Une passerelle est apparue à votre étage. Bah oui, du coup, oui, je pense qu'il faut jouer sur les deux équipes pour le coup. Compris. On va essayer d'aller jusqu'au terminal central. Bougez pas, on vous rappellera. Il est censé étudier quoi, l'autre ordure? Le fléau venu du ciel. Genova. Pour Ojo, c'est toute l'œuvre de sa vie. Son CV, j'en ai rien à foutre. Concrètement, les expériences qu'il fait ici consistent à implanter des cellules de Genova dans des créatures et des machines diverses. Il cherche à renforcer ses cobayes. Ojo est en train de nous utiliser pour parachever ses créations. Il y en a, ils sont vraiment malades. Quoi qu'on fasse, les spécimens de Ojo sont condamnés. Abrégeons leur souffrance. D'accord. On rappelle qu'au départ, à la base, on était là. On commence par la destruction des réacteurs Mako. Maintenant, on parle d'expérience. Ah, je crois que c'est mieux. Drone pareil, quoi. Bon, vous êtes toujours là, les amis? Allez, ensemble. Je vais t'emmener plein la main. Répartez. Oh non, il donne la vie à lui, débarrasser de lui là. Encore là pour 5 minutes. Ok, pas de soucis, ça marche. J'espère, enfin, en tout cas, ça m'a oublié, c'est le principal. Canon pivot. Oui, moi je suis là, je fais juste un autre truc en même temps à côté. Ah, mais pas de soucis. Ah, putain. Là c'est la phase chante là, du combat. Ah, punaise, il va m'attaquer. Voilà, facile, allez. Oui, il me soigne. Allez, qu'il fasse son attaque là. Va charger les trucs là. Allez. Voilà. Il faut que je tienne le coup.
Compétence, colère maximale. Je sais que ça c'est bon. Voilà. Objet, super potion, barrette. Attends. Allez. Voilà, je suis obligé d'utiliser ça parce que j'ai pas trop envie d'utiliser trop souvent les la magie parce que ça descend à une vitesse. Tifa et Iris sont devant le laboratoire numéro 3, c'est bien ça? Il y a 4 interrupteurs. Un par laboratoire peut-être. Ok. C'était l'œuf. Oh, une matière. Ok, ça c'est pour parler. Donc elle a dit le numéro 3. Ça fait quoi? Transfusion réussie. Transfusion réussie. Début de l'expérience dans la zone concernée. Oui, donc c'est ça. En fait, on est obligé de changer d'équipe. D'accord. On devrait les appeler et leur recommander d'être très prudentes. Tifa, ça semble combat. Tu m'entends? On a activé le terminal central. Ça doit être ouvert. Le labo doit être rempli des créations de Ocho. Ne prenez pas trop de risques. Merci. On va voir et on revient. Bah, c'est parti. Laboratoire numéro 3. Le barillet, ça numéro 3. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, je comprends rien. Ah, c'est la porte là-bas, ok. Super. Je tiendrai jusqu'au bout. Ah, j'arrive, tiens. C'est pas fini. Ah, génial. Oui, mais j'ai mal lui. Prends ça, et va. Bonne chance. Ça va. Ah, ils font mal. Fais pas ce qu'est-ce qu'elle a déjà. Réagissement, non, faire prière. Tiens, c'est un travail d'équipe. Allez, je suis prête. Je vais t'avoir. Je t'arrête. Voilà. Une bonne chose de faite. Ce qui est bien avec Aerys, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser des potions ou même de la magie soin pour soigner. Déjà, sa compétence prière, elle est c'est énorme. Quoi, cette pièce, ça me donne le cafard. Et là, tu mettrais des flingues, ça ferait, tu laisserais un petit peu de luminosité, tu mettrais un peu de des armes et des pistolets, et ça te ferait une séquence à la Resident Evil, mais dans Code Veronica plutôt. Du coup. Oui, bien sûr, on va demander ça. Ah, mais putes, c'est... Ah ouais, d'accord. Ok. Ok, ok, ok. C'est moi ou ils sont en train de récupérer de la vie? Il faut qu'on se rattrape. Je peux pas. Comme ça. C'est le dernier. Allez, courage. À toi de jouer. Ok, c'est parti. Voilà, par contre, là, je vais faire très attention.
par rapport à la vie. Alors, ouais, Iris et voilà. Je suis mort. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, je suis mort. Pour éviter ça. Game over. Ah, c'est chaud là. Là, ça va être chaud. Là, j'ai mal calculé mon coup tout à l'heure. Je pense que j'aurais dû garder. J'aurais dû garder les compétences de Tifa, j'aurais dû soigner. Bonne fin de game à tous et à plus tard, sonnez l'heure plus tard. Ça marche dans Gamio. Bah écoute, à demain du coup, plutôt dans quelques heures, maintenant, dans quasiment plus d'une douzaine d'heures, on se retrouve sur 19h-8h. Donc je pense que ce sera en début d'après-midi. Je pense que ce sera dans les alentours de 14h, 14h30. On sera sur 19h-8h. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir participé au live de ce soir, à cette soirée de live du coup, parce que c'est quand même une énorme soirée. On va pas tarder à s'arrêter, je pense, d'ici une quinzaine de minutes après cette séquence, on s'arrête. Je vais finir par me fâcher. Ça c'est certainement pendant ma pause. Ça marche. Ah ça, il sera plus le travail, j'avais oublié. Je sais pas si je leur donne de la vie ou pas. Hop. Tiens. À toi de jouer. Je peux le faire. À mon tour, c'est ça? Désolée, j'ai pas le choix. Faut compter sur moi. Ah, on va attendre un peu parce que j'ai la transcendance de... Je crois bien que t'es mal, là. Désolée, j'ai pas le choix. Ah, t'en as fini? Alors. Alors, on va utiliser la transcendance de... Voilà. Tu t'échapperas pas, c'est un mouvement d'espoir. J'ai presque plus de force. Il était temps de s'en servir. Je vais te montrer ce que je sais faire. Compétences, prière. J'ai la tête qui tourne. Je m'en occupe. Je me sens pas très bien là. Ah. Je compte sur toi. J'arrive. Ouais, c'est que. La planète nous soutient. Bon. À plus dans Camio, je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, bon courage pour ton travail demain et puis écoute, quand tu nous vois en live et dès ta pause, n'hésite pas à passer, ça fait toujours plaisir. Oui. Attends, il n'y avait pas un truc de pause là avant? Alors attends, on va essayer de rebrousser chemin. Ah oui, c'est bon. J'ai peur pour le coup. Je croyais que je m'étais trompé de chemin. Comme elle avançait tout doucement, je croyais que j'y étais pas au bon endroit, mais en fait, si. Prends ça. Trop vrai. Donc là, je fais juste le chemin en retour pour ça. Hein. Juste. Voilà, ça m'évite d'utiliser des potions ou de la magie. Quasiment rien quoi.
tard. On va repousser chemin. Là, c'est bon. Ah, attends, là, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Non. Là non plus. C'est par là. Là. Là, là, je l'avais même pas vu. Bleu sur bleu, c'est un champion du monde, c'est Square Enix. J'arrive! Prends ça! Je t'ai eu! Génial. On peut pas le faire? Mais je vais partir de l'autre côté, non, on peut pas. Ouais, on va se doucement, il va pas te voir. T'es juste en face. J'abandonnerai pas. Je vais te montrer ce que je sais faire. C'est un travail d'équipe. Ok, c'est parti. Ah. C'est le secret, la compétence. Frappe déstabilisante. Ah, y'a pas à dire, elle fait quand même mal. T'inquiète pas, je suis là. Allez, je suis prête. Ah, Eric, si tu fais, elles font quand même assez mal, l'une comme dans l'autre. On va lui faire mal. C'est fini. Voilà. C'était trop facile. Ah, attends, juste, je peux regarder. Ah, ouais, quand même, niveau 33, 34. Ah, oui, cool. Tranquille, quoi. Voilà. Je pense qu'on est bientôt à la fin de cette séquence. Je pense pas qu'on soit à la fin du chapitre, mais est-ce qu'on est à la fin de cette séquence? Ah, attends. On peut pas continuer là, donc on est d'accord, donc il faut prendre les escaliers, l'échelle, je ne sais quoi. Ok, donc il faut passer par là. Mais là, tu veux. Mais j'imagine des barrettes là-dessus. Ok, encore. Non, j'ai de passer par là. Punaise. Là, tu vas voir, d'un moment, le truc va tomber. Prends le pari. Ils ont l'air énervés. Non. On n'a pas le choix. Tout petit peu. Je vais te montrer ce que je sais faire. Ah ouais, c'est quand même mal à... Tu peux me remplacer un peu. Ah, Eric, c'est mine de rien. À toi de jouer. Il faut que je sois forte. Alors, compétences, prière. Je crois qu'il faudrait que je fasse une petite pause. Ah. Je pense que je tiendrai le coup. Soin, sorti pas, sort, soin sur Iris. Je vais pas me laisser faire! Allez, Iris, tu crois? Je peux pas!
C'est pas très pensé à ouais, ça. Mais mine de rien, ces attaques elles sont pas mal, mais alors. Compétences, prière. Ça va toi? J'abandonne pas. Pas. Je vais faire tout mon possible. Tu ne souviens pas. Ah, j'ai mis un hydrochoc. Transcendance. Vanguisseur. Que cette brise nous redonne la force. Je crois qu'il faudrait que je fasse une petite pause. Je te l'élève. Allez, Aeris, y crois. Tu vas voir. Ah, attends. On va essayer de charger ça. Ah, oh, je prends 400 coups. Tu peux me remplacer un petit peu? Allez, bois. Je vais faire tout mon possible. Allez. C'est bon. Les niveaux pour... Oh, Tifa. Du coup, on va faire sort. Méga soin sur Aeris. Et du coup... Extra soin sur Tifa. Voilà. Pour le coup. Okay. Bon, ok. Donc, les amis, on va pas tarder à s'arrêter. Je sais pas si on a... Attends, on va pouvoir monter à l'échelle. On va continuer encore un tout petit peu, peut-être s'il y a encore un changement de partenaire. Il est sorti, tu crois ? Je n'ai jamais autant haï quelqu'un. Hein ? Tu le savais ? À mon avis, on va se taper tous les laboratoires. C'est maintenant ou jamais ! Je suis froid. Ah non, pas ça. Enseignement, compétence frappe déstabilisante. Bonne chance, je vais te montrer ce que je sais faire. Prière, on va soigner tout le monde. Je m'en occupe. Voilà, ça tombe super bien. Aïe. Compétences, enseignement secret, compétences, serre, je compte sur toi, ça va aller. Transcendance, vanguisseur, je souffle un doux vent d'espoir. Voilà, on finit. Désolé, j'ai pas le choix. Il est tournant. Et voilà. Trop tard. Combat. Terminé. Bye bye. Ah, attends, mais il faut aller où là? Je sais même pas où il faut aller. Ah, attends, déjà on va activer ça.
Est-ce qu'ils pourront passer en dessous? Attends, tac, 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 tac. Je comprends rien ce qu'il faut faire. Non, mais c'est là qu'il fallait aller. Attends. Je fais un truc, je vais regarder ce qu'il y a de l'autre côté parce que j'ai pas. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. Sinon, on vient de là. Ah oui, donc oui, du coup, on s'est éloigné. C'est trop éloigné. Bon, on va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter sur le. Ah, j'arrive pas à monter l'escalier. On va s'arrêter sur le changement d'équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous ceux qui ont participé sur le chat. Donc je vais juste dans quelques secondes, je vais juste voir, je prends quelques secondes, après je ramène juste le perso là où il faut et ensuite je regarde. Voilà, c'est ici. Cloud, ça va? Oui, on vient d'utiliser un levier. Je pense que les incubateurs à votre étage sont sortis du mur. Ah, c'est notre tour alors. Ouais. S'il se passe quelque chose, on vous appelle. D'accord. Faites attention à vous. Voilà, donc les amis, moi je vais m'arrêter ici pour ce soir. Merci à vous d'avoir été très présents pour nous durant les. Durant cette soirée de live qui a commencé à 21h30 avec Geneva Winter, donc vous étiez une dizaine à nous regarder pendant presque une heure et demie, ça fait plaisir. Il y avait donc Camillo qui avait participé, il y a Harley Quinn, donc une nouvelle follow qui a participé, et ça fait très plaisir. Merci aussi du coup donc Camillo qui est revenu pour FF14. Merci à Mylène04 d'être passé, je sais pas si elle est toujours présente sur le chat ou pas du tout. C'est pas grave, parce qu'elle est partie faire dodo maintenant, puisqu'il est tard, il est déjà 1h30 du matin, c'est pour ça que je m'arrête. Merci à. Alors, attends, est-ce que je vais essayer de retrouver. Merci à Lolo d'être passé, d'avoir fait un petit coucou sur les deux lives. Et du coup, je sais pas si j'ai tout le monde. Mylène, c'est bon. Mylène, je l'ai dit. Dark Cloud, merci à Dark Cloud d'avoir passé et d'avoir dit qu'il avait patiné le jeu, ça fait plaisir. Et à Just. Alors, attends, j'y trouve plus. Et à. Oula! Attends, voilà. Je vais remonter le chat. Bonne soirée à toi, à bientôt, merci! Et à. Voilà. Et à Justin qui est venu nous faire un petit coucou durant la partie précédente, ça fait très plaisir. Voilà, moi je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo si ça vous a plu. On se donne rendez-vous sur Twitch pour de nouvelles aventures sur Neverwinter dans la journée, parce que du coup il est 1h30, donc d'ici 12-13h je pense on va se retrouver sur des Neverwinter avec Lolo. Donc n'hésitez pas à venir nous voir à partir de 14h-14h30, on sera présent jusqu'à 16h-16h30, et ensuite moi j'enchaînerai sur du FF14 à partir de 7h30 sur YouTube. Et après le soir, je ne sais pas, parce que là c'était exceptionnel, donc je ne sais pas si vont reprendre Secret World ou pas du tout, ou passer à autre chose, je n'en sais rien. Voilà, quant à moi, je vous souhaite à tous une très bonne nuit, et surtout, rappelez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, c'est très très important. On n'est pas encore sorti de cette situation. Allez, salut, c'était JP pour ma petite. Ciao.